Plumière. Sonia arrive là, elle fait toute sa gym, d'accord, et elle met la tête dans le pot de fleurs. Catherine Azola, metteuse en scène. Jocelyne Robert, chorégraphe. Écoutez-moi, vous êtes restés plantés là. Wow, ouais, tout le monde est resté planté, mais n'attendez pas le noir. Donc vous partez, chacun de votre côté. J'ai d'abord été contactée pour faire un atelier de théâtre, c'est-à-dire monter un spectacle en quelques mois avec un atelier mélangeant patients et soignants. Non, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de bouger quand je parlais. Qui c'est qui t'a dit une énormité pareille ? Quand on a répété. Cet atelier a démarré sous l'égide en fait du docteur Maisondieu, qui était un chef de service en psychiatrie dans les années 2000. C'était juste pour regarder. Oui, enfin, de très très près. Oui, je suis un peu mieux. Mais Claude, à chaque fois, tu prends un temps. Essaye de coller aux répliques des autres. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ? Vas-y. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ? Quelques années plus tard, on a décidé d'ajouter de la danse. Et Jocelyne est arrivée. Je m'appelle Georges, je suis patient au CCP de Poissy et je participe notamment à cet atelier théâtre. Nous, on les accompagne donc sur tout ce qui est bruitage musique et on fait aussi quelques ateliers avec eux pour qu'ils puissent faire un peu de MAO, de chant. La la la, dynamique directe. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. La la la, elle rêvait qu'elle posait comme pour un coup d'essai à la ceinture uniforme. Atelier Théâtre, c'est un groupe de patients avec des soignants qui, autour d'une réalisatrice et d'une chorégraphe, montent un spectacle après 4 mois et demi de travail. Ça nous donne la cohésion de groupe, ça nous apprend à être cohérent dans un groupe, ça nous apprend à. C'est une sorte de micro-société qui se crée, donc ça nous. Puis nos rapports entre patients sont différents, et surtout les rapports avec les soignants sont différents. C'est un autre type de rapport, parce que la réalisatrice nous met tous sur le même pied que le chef, c'est-à-dire pas de plus. On est tous pareils, on est tous des apprentis comédiens, donc c'est très positif, ça n'apporte que du positif. Franchement, c'est une reprise de coton. Attends. Zen, Claude, zen. Je suis Claude, j'étais aide-soignant au CCP, je suis en retraite depuis le mois de juillet. Et on m'a permis, on m'a donné le droit de continuer le théâtre malgré ça. Parce que je ne raterai jamais ça, c'est vraiment une très bonne expérience chaque année. Un petit peu de poudre. Et toi, tu enlèves le coton blanc. D'accord. Parce que les pinceaux, du tour, les murs de cuisine, ça va s'en passer. Oui, mais on ne faisait pas les paupières en charge militaire. C'est la troisième année que je fais ça. Et on voit par rapport aux patients comment ils peuvent s'ouvrir, comment ils adhèrent à cette pièce. Et vraiment, ça gère une bonne ambiance et une grande confiance en eux. Du rythme, du volume. C'est tout. Ah bah. Et s'il y a un problème, on continue. Ouais. Et on s'amuse à fond. Ouais, ouais. On s'en vient. Ouais. Ouais. Écoutez, on a ce spectacle ici, on le finit à fond.
Quelque part dans le cosmos, en 2355, vous croyez que c'est vivant? Peut-être. C'est comme un miroir. Oh, c'est bon! C'est frais! Vous devriez essayer! Non, sûrement pas. Satisfaisant aussi de voir des personnes qui arrivent avec beaucoup de difficultés au démarrage et qui réussissent à mener ce projet qui n'est que sur 4 mois quand même, hein. Donc tout se passe de façon assez intense et assez rapide et qui arrivent à rentrer dans le spectacle et à aller au bout et à assurer en fait ce qu'ils ont à assurer. Mais un type est entré et le char est tombé. La la la, c'est une mort lancée de la réussite sur le pont du bord. La la la, la vie aux yeux mentalos a rangé sa mégalo.
extraordinaire. Ils ont, enfin, moi, je suis très, très admirative. Je l'ai toujours été, de leur courage et de leur volonté et du résultat. Voilà, du résultat. Génial, magnifique, comme d'habitude. Très impressionnée. Super. Très sympa. Les professionnels comme les patients. Super. Ben, on sent un boulot fort et de grande proximité. Oui, des gens qui ont organisé ça et qui ont aidé à monter ce spectacle. Bravo. Oh, should I stay or should I go?